Là maintenant je me suis déplacé pour arriver un peu plus dans Downtown. Je fais un timelapse de ce trafic là où vous voyez il y a plusieurs ponts qui passent au-dessus de la freeway. Et c'est vraiment ce que je voulais donner, c'est vraiment ce que je voulais filmer. Alors là j'ai encore bougé, je me retrouve plus près de Los Angeles, enfin plus près de Los Angeles, je veux dire plus près des Downtown LA, parce que je me trouve vraiment au milieu des banques. La plus grande tour qui se trouve ici en fait, qui est la US Bank Tower, qui est juste derrière. Et donc je suis en train de faire un timelapse, un peu plus long cette fois-ci car j'ai mis une photo toutes les 5 secondes, un temps d'exposition de 2,5 secondes et un diaphragme à 5,6 secondes. Le problème que je rencontre, ce sont toutes les lumières que vous pouvez voir ici. Il y a beaucoup de voitures et de beaucoup d'expositions de lumière blanche directement dans l'appareil. Donc c'est un peu difficile à gérer, mais j'ai fait quelques essais, ça rend bien. Maintenant je suis en train de faire un shot un peu différent, ce sont en fait les buildings qui sont juste devant. En soi il n'y a pas grand chose qui bouge à part en fait il y a quelques nuages aujourd'hui, on voit la lumière, la réflexion de la lumière sur les nuages, ce qui va rendre bien. On a également des ascenseurs extérieurs sur le bâtiment qui est juste là. Ça va faire monter et descendre rapidement avec les petites lumières rouges. Ça va être marrant. Il y a beaucoup de travail qui m'attend et voilà, si vous aimez mes vidéos, bah, vous pouvez vous abonner surtout, et si vous voulez acheter mon travail, rendez-vous dans la description, il y a plusieurs liens juste pour vous. Allez, à la prochaine.